der Frieden zwischen unseren beiden Ländern. Dies ist in diesen Zeiten des Krieges an den Toren Europas umso wichtiger. Auch in einem inflationierten Kontext müssen wir wachsam sein und alles tun, um den Zugang zu Wohnraum für alle, insbesondere für junge Menschen, zu gewährleisten. Illustre cette continuité et ces objectifs d'avenir. Moi, je suis tellement heureuse qu'il y ait beaucoup d'enfants aujourd'hui avec nous. À nous de leur transmettre ces valeurs pour qu'elles s'en emparent et vivifient cette relation d'amitié si forte. Unsere Jugend, die junge Generation, die die Zukunft unserer Städte gestalten wird, verdeutlicht diese Kontinuität und diese Ziele für die Zukunft. Vous en séjour pour découvrir votre environnement, la politique que vous menez pour préserver cet environnement, que vos jeunes découvrent aussi le futur dans un environnement de bord de mer fragilisé par le changement climatique. Organisons ces échanges, cher Christian, entre nos deux pays, nos deux communes, avec les jeunes qui sont notre avenir. Lasst uns also Austauschprojekt zwischen unserem jungen Publikum durchführen. Gemein auch mit den jungen Menschen, die unsere Zukunft sind. Un mot pour féliciter le collectif des deux pays, notre association Sandrine. Tu avais commandé le soleil. Voilà, bravo, bravo au collectif. Cher Christian, nous nous accueillons donc tous avec grande joie. Et effectivement, la météo grâce à Sandrine est avec nous. Soleil, chaleur, à l'image de notre amitié. Vielen Dank an den Partnerschaft Association. Liebe Association, liebe Christian, wir begrüßen Ihnen und euch alle mit großer Freude. Das Wetter ist mit uns Sonnenschein und Wärme, genau wie unsere Freundschaft. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderates von Pemar und auch aus Schirling, liebe Freunde aus Pemar und Schirling. Ein altes jüdisches Sprichwort sagt, Berge kommen nicht zusammen, aber Menschen. Madame le Maire, non, Madame la Maire, il faut que je m'habitue, ça a changé depuis que j'ai quitté la Belgique. Madame la Maire, mesdames et messieurs du conseil municipal de Pamar et de Schirling, chers amis de Pamar et de Schirling, un vieux proverbe juif dit « Les montagnes ne s'assemblent pas, mais les hommes, oui. » Je suis très reconnaissant que nous puissions nous rencontrer, oui, vraiment entrer en contact ces jours-ci dans votre belle commune. Wir feiern das 25-jährige Bestehen unserer Gemeindepartnerschaft. Und wenn wir genau hinschauen und das Sprichwort beherzigen, dann sind es eben die Menschen unserer beiden Gemeinden, die diese Partnerschaft zur Geburt geholfen und sie mit Leben erfüllt haben. Viele davon sind heute auch unter uns. Denen sage ich jetzt schon ein herzliches Dankeschön für Ihr damaliges und anhaltendes Engagement. Nous fêtons le 25e anniversaire de notre jumelage de communes. Et si nous y regardons de plus près et que nous prenons en compte le proverbe, ce sont les citoyens de nos deux communes qui ont contribué à la naissance de ce jumelage et qui lui ont donné vie. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui parmi nous. Je leur dis d'ores et déjà un grand merci pour leur engagement de l'époque et pour celui qui perdure. Leur intérêt pour les cultures européennes
et leur vision d'une entente entre les peuples vécus au quotidien mérite d'être soulignée. Un autre vieil adage. L'amitié est la fleur de l'instant et le fruit du temps. Cette phrase est d'August von Kotzebue, juriste et dramaturge allemand ayant vécu entre 1761 et 1819. Il est un profond désir de retrouver ses vrais amis. On partage la joie et la douleur, le bonheur et la tristesse. On aspire à se retrouver, à se rendre visite et à se rencontrer. Comme nous le faisons aujourd'hui, on n'a pas besoin de se voir souvent. L'essentiel est de profiter du temps commun et de ne jamais se perdre. Je crois que nous, les habitants de Schirling, et je pense que nous sommes plus de 80, avons entrepris le long voyage pour aller chez vous, nos amis. Nous nous réjouissons de la bonne ambiance indéniable. Nous nous réjouissons de chaque rencontre et de chaque intérêt mutuel. Et oui, l'ambiance est bonne entre nous. Dieu merci. Février 2022, et qu'il tue depuis avec une rage impitoyable des personnes, enfants, personnes âgées, familles entières, avec ses bombes et ses missiles. Depuis longtemps, nous ne pouvons plus être sûrs que tous les États de la planète condamnent réellement cette guerre. Il y a longtemps que nous ne pouvons plus être sûrs que des guerres n'éclatent pas à nouveau dans d'autres régions. Unsere beiden Länder und Völker, also auch wir, sind Teil Europas und wichtiger Teil der Europäischen Union. In der Präambel des Europäischen Verfassungsähnlichen Vertrages von Lissabon aus dem Jahre 2009 ist das kulturelle, religiöse und humanistische Erbe Europas genannt, das uns verbindet. Dort ist auch von der Gewissheit die Rede, dass die Völker Europas entschlossen sind, immer enger vereint ihr Schicksal gemeinsam zu gestalten. Nous faisons partie de l'Europe et constituons une part importante de l'Union européenne. Le préambule du traité constitutionnel européen de Lisbonne de 2009 mentionne l'héritage culturel, religieux et humaniste de l'Europe qui nous unit. Il y est mentionné que les peuples d'Europe sont déterminés à être toujours plus étroitement unis pour façonner ensemble leur destin. Nous, interpersonnels, mais aussi de la culture dans toute sa diversité. C'est plus qu'une simple amitié de courtoisie et de voisinage. C'est l'indice d'une certaine unité à laquelle nos dirigeants se sont engagés et que nous soutenons. Que nos États soient si proches en termes d'amitié et que leur président Emmanuel Macron vienne en Allemagne du 2 au 4 juillet 2023 pour une visite d'État à l'invitation de notre président fédéral, Frank-Walter Steinmeier. Par cette visite d'État, le président Macron rend hommage à l'amitié étroite qui lie les deux pays en cette 60e année d'existence du traité de l'Élysée. Ensemble, le président français et le président allemand Steinmeier se rendent dans plusieurs régions d'Allemagne et soulignent ainsi également les relations uniques entre nos États, nos citoyens et surtout la jeunesse allemande et française. Il s'agit de la première visite d'État d'un président français en Allemagne depuis 23 ans. Cet événement particulier marque le début d'un nouveau chapitre dans l'amitié qui unit les deux pays depuis des décennies. En outre, cette visite d'État met en exergue les relations amicales étroites entre le président allemand Steinmeier et le président français Macron, peut-on lire dans le communiqué officiel. Chers amis, notre relation, notre amitié, ne pourrait pas être décrite de manière plus belle. Et nous aussi, les responsables d'une petite commune, nous pouvons contribuer à ce que nos citoyens gardent la conscience de l'histoire et de la démocratie, de la liberté et de la justice, et qu'ils ne les perdent pas. Nous pouvons, par nos activités, et nous le faisons, rappeler sans cesse que la guerre n'est jamais un moyen de régler les conflits. Nous devons, et nous le ferons, raconter à nos enfants et aux enfants de nos enfants qu'entre la France et l'Allemagne, au cours des siècles, il y a toujours eu des conflits qui, au final, n'ont donné d'avantage décisif à aucune des deux parties. À nos enfants et aux enfants de nos enfants, et nous leur en donnerons l'exemple, que la cohésion et la coopération, c'est-à-dire la coexistence constructive dans l'amitié, est la voie qui mène à un avenir prometteur.
La 25e fête de fondation de notre jumelage est un motif de gratitude. Nous remercions ceux qui ont joué un rôle déterminant dans sa création. Les maires de l'époque, Otto Gacha et Corentin Cadieu, déjà décédés, ainsi que le maire de longue date, Reynald Tanter, qui fut un pilier depuis le début. Nous remercions les membres des organes politiques respectifs de nos deux communes et nous avons aujourd'hui une pensée toute particulière pour Adol Valna, décédé l'année dernière, qui fut également une source d'inspiration importante pour le jumelage dès le début. Nous remercions les deux associations de jumelage pour leur engagement sans faille, tout spécialement les présidentes Sandrine et Colienne et leur équipe. La responsable rend possible tant d'hospitalité pour laquelle nous ne pouvons que remercier très très chaleureusement. Il déploie également des efforts inestimables pour que les jeunes s'engagent à leur tour aussi en faveur des contacts transfrontaliers et les transmettent. À tous, je dis aujourd'hui, au nom de la commune de Schirling, un grand Vergelt Gott, un grand merci à la Bavaroise. Immer wieder vergewissern, dass unsere Völker und Länder, dass Europa und auch wir mit unseren Reden und Handeln auf dem richtigen Weg sind und diesen zielstrebig verfolgen. Mesdames et messieurs, permettez-moi de résumer ainsi. Notre joie et notre confiance mutuelle sont très grandes. Nous pouvons nous en réjouir. Pour l'avenir du partenariat, nous devrons toujours répondre à la question de savoir comment nous nous voyons nous-mêmes en tant qu'acteurs, comment nous voulons être perçus et vers où notre engagement devrait nous mener. Nous ne cesserons de nous assurer que nos peuples et nos pays, que l'Europe et nous aussi avec nos discours et nos actions, sommes sur la bonne voie et la poursuivons avec détermination. Je demande à tous nos citoyens de faire preuve de l'engagement nécessaire à cet égard, et ce, dans nos deux communes amies. Regardons l'avenir avec courage et confiance, afin que le monde devienne toujours meilleur et que les hommes se souviennent toujours plus de leurs grandes responsabilités. Bonne chance pour un avenir prometteur. L'expression d'un discours un peu moins court. Zwei Versionen auf Disco. Ein kurzer und ein bisschen mehr kurz. Donc de commencer, je pense, à t'offrir ce cadeau. Also jetzt kommen wir zum zweiten Teil von dem heutigen Abend, der Austausch von Geschenken. Und sie freut sich sehr, dass sie dann der Schirlinger Gemeinde und dem Bürgermeister jetzt ihr Geschenk überreichen kann. C'est un cadeau de voulu original qui parle de nous tous, de la même vision que nous avons. Et l'artiste est pas marqué, il est ici présent. Um dieses Ereignis zu würdigen, überreichen Ihnen die Stadt Pernach und die gesamte Gemeinde gemeinsam mit mir dieses Geschenk des Künstlers aus Pernach, Jung Kapitän, hier. Das ist schwer. Also wenn es eine Stunde dauert, dann... Pernachs Karität. C'est un peu comme ça.
Ich denke, wir haben einen schönen Abend. Was ist denn das? Surprise. Zum Transportieren. Deswegen haben wir aus Schilling gefertigt einen kleinen Wimpel, eine kleine Fahne mit dabei. Und die Deutschen können es lesen. Es steht Freundschaft drauf. Und man kann es drehen und wenden, wie man will. Es bleibt die Freundschaft. De Schirling, un drapeau pour les deux communes. Et si on le regarde d'un côté, on voit l'amitié, et si on le retourne, on voit l'amitié encore, l'amitié. Voilà le symbole de notre jumelage. Avec beaucoup d'amour, un phare, la lumière et cette vision qu'on a en commun. Il est toujours là pour nous aider, pour nous protéger. Et je pense que c'est vraiment le message de paix que toi et moi nous voulons transmettre. Also ein Leuchtturm und das Licht von heute und das ist wirklich das Symbol von der Städterpartnerschaft und zum 25. Geburtstag ein großes Geschenk. Dankeschön. Jetzt trägt unser Bürgermeister die Verantwortung, das jetzt anzuschneiden.
Thank you.